In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. À côté de moi se trouve, vous le connaissez, Maurice Darmon. Et si Maurice Darmon est là aujourd'hui, c'est que Tarkovski n'est pas très loin. Et c'est une très bonne nouvelle parce que on renoue le dialogue. Déjà ça, c'est une très bonne nouvelle. Je renoue le dialogue avec Maurice Darmon, je suis très content. Et puis on continue d'explorer un peu Tarkovski après Giacomo sur Solaris, après vous sur Le Miroir. Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, troisième partie, ça va être sur Le Sacrifice, son dernier film, et l'intitulé, le titre du livre, c'est très important, 5 vues sur Le Sacrifice. Voilà, un film qui date de 1986, édité par Vos Soins chez 202 Éditions. Et dans le descriptif, vous avez le lien pour procurer le livre. Pardon. Je suis très content que vous soyez là. Comment allez-vous, Maurice ? Eh bien, je vais très bien et je vous remercie de cet accueil renouvelé, et qui n'est peut-être pas prêt de se terminer d'ailleurs. Faut pas que ça se termine. Écoutez, j'ai envie de vous poser une question très journalistique, très basique, donc très journalistique en l'occurrence, de revenir sur le titre. Parfois, on oublie quelques détails comme ça, mais c'est important les détails, et 5 vues. Alors moi, je sais pourquoi, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi avoir choisi le mot « vue », 5 vues sur Le Sacrifice. Oui, bien sûr. Bon, d'abord parce que c'est du cinéma, donc c'est un spectateur qui regarde et donc il voit. Mais et comme c'est des éditions de cinéma, elles essayent d'allier le texte à l'image, le texte à l'action, de regarder. Et bon, derrière vue, on peut voir point de vue aussi. Hein. Mais pas seulement. On peut voir aussi la longue vue qui rapproche de certains détails du film. Je me suis attaché à focaliser sur quelques points au lieu de faire comme je l'ai fait pour Miroir et d'une certaine façon aussi pour Nostalgia, mais au lieu d'adopter un point de vue chronologique expliquant les conditions de tournage relativement pédagogique, j'ai préféré adopter le ton de la causerie autour d'un certain nombre de détails dont certains sont inattendus, je crois. Oui, d'ailleurs. Alors, je ne vais pas tout de suite nommer les 5 vues. On va y revenir et sur quelques regards, quelques vues. Même, je me permettrai aussi de lire quelques extraits. Je rappelle encore et toujours, c'est important de rappeler dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus et ça renvoie à la page dédiée au livre. J'avais oublié qu'effectivement, un autre livre a été publié par Vos Soins sur Nostalgia, mais ça, certainement, on en reparlera dans une autre émission. Avant qu'on commence à en parler de l'intériorité de ce livre, donc du film, comme d'habitude, moi, j'ai envie de savoir un peu ce que représente Le Sacrifice dans votre rapport à Tarkovski, et voire même dans la filmographie de Tarkovski, ça dit quoi, Le Sacrifice ? Le Sacrifice, comme vous le savez, c'est le dernier film de Tarkovski. En fait, il m'avait attiré dans la suite de Nostalgia. Dans l'époque, quand j'ai écrit Nostalgia et Sacrifice, je ne voulais pas faire un cycle sur Tarkovski. C'était trop au-dessus de ma portée. Il fallait réunir des gens, etc. Et je n'avais été vers Nostalgia que parce qu'il n'était pas russe. Et que c'était un film italien. J'étais moi-même traducteur de l'italien. Donc, j'ai dit, je vais tout comprendre. Ça va aller, quoi. Et puis, en travaillant sur Nostalgia, je me suis aperçu, j'ai pris conscience qu'il y en avait un autre qui n'était pas russe, qui était suédois. Alors, je ne comprends rien au suédois, mais j'avais Bergman derrière moi, et bien m'en a pris, parce que, en effet, Bergman est derrière tout ça. Hein. Et donc, au départ, d'ailleurs, après Nostalgia, comme j'avais travaillé le journal, le Tarkovski, le temps scellé, tout ça, enfin bon, tous ces écrits que j'avais beaucoup remués à propos de Nostalgia, je m'étais arrêté sur cette anecdote, double anecdote, de la rencontre ratée entre Bergman et Tarkovski. Il explique qu'ils se sont manqués, le journal révèle qu'ils se sont manqués deux fois. Hein, une fois parce que Bergman faisait une conférence avec des étudiants et qu'il a poussé la porte et qu'il a vu cette espèce d'homme froid, un peu hautain avec les étudiants, il est parti, il n'a pas eu envie de lui parler.
Et une seconde fois, ils se sont tombés l'un sur l'autre et manifestement, ils se sont évités après s'être toisés. Ils se sont regardés et puis ils sont repartis chacun de leur côté alors que l'univers de Tarkovsky et réciproquement celui de Bergman est peuplé de l'estime et de l'admiration de l'un pour l'autre. Hein. On n'en finirait pas d'avoir toutes les références qui expliquent l'admiration extraordinaire que Bergman et Tarkovsky ont eu l'un pour l'autre. Et curieusement d'ailleurs, l'un et l'autre se tempèrent au bout d'un moment en disant l'un il fait du Tarkovsky, l'autre il fait du Bergman un petit peu, voilà. Mais ça, c'est dans les habitudes de ces gens-là aussi d'effacer les traces parfois, hein, je crois, hein, de brûler les ponts un peu d'ailleurs. Mais l'influence de Bergman, on va le voir parce qu'on va en parler certainement. Oui. Manifeste. Mais tout ça pour dire qu'au départ, cette rencontre m'avait intrigué et je voulais écrire un roman, une espèce d'uchronie d'utopie dans laquelle je prouvais qu'en réalité Tarkovsky et Bergman s'étaient rencontrés, qu'ils avaient fait une conversation, enfin j'avais fait toute une histoire qui permettait de rendre l'affaire plausible, et parmi lesquelles intervenait un personnage qui faisait des conférences à Stockholm, qui était un auteur de cinéma. Bon, j'avais un peu Jacquemont d'ailleurs en tête comme ça, encore que je n'avais encore rien conclu avec lui. Et donc je me disais, bon voilà, il va faire des conférences, et le type de conférence que j'imaginais que pouvait faire Jacques a ressemblé un petit peu à ces cinq chapitres, à ces cinq points de vue sur le sacrifice. Voilà. Alors, finalement, le roman n'a pas tenu debout et j'ai gardé les points de vue. Soit je l'ai inventé ou soit je l'ai mal lu, mais dans le livre, à un moment, vous parlez vous racontez que Bergman aurait invité par trois ou quatre fois, à plusieurs reprises Tarkovsky. Tarkovsky s'impatiente, il veut absolument y aller. Et puis il y a des tout foire. Tarkovsky soupçonne qu'évidemment on l'empêche en haut lieu de faire la rencontre. Bon, Bergman après une année, il a autre chose à faire, il peut pas, il reporte. Il y a même eu un projet de film à trois entre Bergman, Antonioni et Tarkovsky. C'est extraordinaire, ça. Bon, et ça ne s'est pas fait non plus. Hein. Bergman était d'accord sur le principe, mais il a voulu reporter. Et puis, ça ne s'est pas fait. En revanche, quand ils sont à portée de main l'un de l'autre, puisque Tarkovsky est à Gotland, il ne peut pas être à Faro, parce que Faro, à ce moment-là, est prise dans la Grande Guerre froide. Et elle est la caserne avancée de la lutte contre les missiles soviétiques qui vont et qui viennent au-dessus de leur tête. Hein. Donc, Faro est interdite aux étrangers, permise aux seuls résidents. Alors, encore moins à un soviétique. Enfin, je veux dire, c'était pas possible que Tarkovsky ait l'autorisation. Il fallait l'autorisation militaire pour rentrer, pour mettre un pied sur Faro. Donc, il se met à Gotland, qui est le plus près possible et le plus semblable possible, puisque Faro est une petite île séparée par 3 km d'un bras de mer qu'on passe avec un bac de Gotland à Faro, et Faro qui est le lieu d'habitation de Bergman, évidemment, bon, ça tout le monde le sait, et où Bergman a tourné 5 de ses films au moins. Il tourne à côté, et non seulement il tourne à côté, mais il tourne avec le personnel des acteurs de Bergman, c'est-à-dire Erland Josephson et Adwell, il tourne avec tous les techniciens. De la Suède est petite, évidemment, on tourne toujours avec les mêmes un peu, mais enfin, il prend Sven Nyqvist, qui est le grand ingénieur de la photographie de Bergman, et c'est lui qui fait la photographie sur le sacrifice, et donc il va dans un univers bergmanien, il n'y a pas de doute, hein, et je crois qu'il le sait et il le revendique. Prenons le premier point de vue, prenons la première vue sur Bergman. Alors,
Excusez-moi, je vais vous couper la parole, j'aime pas ça. Parce que en fait, j'allais même lire un extrait de ce premier point de vue qui s'intitule Au pays du cinéma. Les quatre autres points de vue s'intitulent L'amour du désert. Le troisième, c'est Les maîtres de la clé. Le quatrième, c'est Éloge de l'accessoire. Voilà. Et le cinquième et dernier, L'île des femmes. Et donc, dans Au pays du cinéma, il y a, j'aimerais bien, voilà, c'est page 12. Et en fait, on va prolonger, on va développer ce que vous étiez en train d'évoquer. Vous écrivez « Qui veut comprendre un cinéaste doit-il se rendre au pays de ce cinéaste ? La fable n'a besoin ni de Suède, ni d'île, ni de plage. Le montreur d'eau n'a jamais filmé la mer, élément hostile. L'homme doit naviguer et aller s'amarrer à l'autre rive d'un océan. L'eau marine, c'est le mal, la barque et les avirons. Le bien, notait-il le 20 septembre 1978, Tarkovsky. Mais déjà le 12 janvier 1972, parmi les 35 objections du comité central pour le film Solaris, en 72, voilà ce qui est dit, en gros, parmi les 35 objections, on ne comprend pas que l'océan soit doué d'intelligence, pourquoi Arrée a-t-elle disparu, etc. Tarkovsky, qui le savait habité et menaçant, avait répondu « L'océan l'a compris. Océan qui n'est surtout pas une mer comme une autre. » Indifférente aux hommes, les eaux douces de Tarkovsky, fleuves, lacs ou eaux stagnantes sont les traces sensibles du temps. Ni le scénario littéraire, ni le film ne localisent l'intrigue et la mer n'est pas présente dans le sacrifice que parce la mer n'est présente dans le sacrifice que parce qu'elle fait partie du paysage et de la bande sonore. Importante, il est vrai, par ses roulements, mouettes et cornes de brume, mais sans jouer d'autres rôles dans la fable. Alexandre se borne à raconter, nous sommes venus sur cette île bien avant que tu ne sois conçu. Entendre ce qui se dit là, bien avant que soit conçu le sacrifice, Tarkovsky, était venu sur cette île par l'intermédiaire des films de Bergman, singulièrement ceux tournés à Faro. En fait, ma question, elle est devenue simple parce que vous avez commencé à en parler, mais c'était de savoir, de connaître le rôle finalement de Bergman dans le processus de création du sacrifice. Alors, le rôle de Bergman, et on n'a pas de preuves, hein, mais il est probablement décisif. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis, très probablement, et peut-être même économiquement, on n'a pas la preuve, mais on en a plusieurs indices, que Tarkovsky vienne en Suède. D'ailleurs, il y a eu un premier voyage où il a fait un repérage avec Nyquist. Le sacrifice... Tel qu'on voit, le film tel qu'on voit, il n'a rien de suédois. Il n'a pas besoin de Suède. Quoi. Il n'a pas besoin de Suède. Et même la Suède qui est là, elle ressemble plutôt un peu comme les paysages italiens de Toscane, elle ressemble plutôt à la Russie. Hein, elle aussi, hein, par les lumières très froides qui y sont souvent, etc. En revanche, tout est suédois si on prend le film du côté de l'angoisse de la guerre. Parce que c'est à ce moment-là, et Bergman le premier, hein, je veux dire, si on regarde, je ne sais pas, par exemple, Comme dans un miroir, peut-être que vous n'avez pas présent à l'esprit, le spectateur n'a pas présent à l'esprit ce film, mais c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle David, et qui est comme Alexandre, occupé à son œuvre, qui est au premier étage d'un bureau, qui est isolé à l'étage. Dans ce film, il y a une scène de piqûre. Il a une fille qui est un petit peu schizophrène, je vais y revenir, et elle est soignée par un docteur qui est voisin, hein, et ce docteur, il y a une piqûre qui est faite à Karine, cette femme, il y a un pot à lait qui se répand, comme toujours, il y a un dîner devant la plage, il y a l'usage des nombres, vous savez, les amorces 5, 4, 3, 2, 1, là, qui sont repris dans le sacrifice, Karine, elle demande son internement, et avant que l'hélicoptère vienne l'emporter, l'équivalent de l'ambulance dans le sacrifice, et elle tombe en prière pendant une heure, comme ça, comme Alexandre tombe en prière, et elle demande à être internée, et à la fin, David a un fils qui s'appelle Minus, et qui dit « Papa m'a parlé ». Et l'enfant, dans le sacrifice, dit « Pourquoi papa ?» Et enfin, il se met à parler, puisqu'il était muet pendant le film. Donc, je voudrais juste lire ce qu'écrit Bergman à propos de Karine. À propos de Karine, hein, son personnage. C'est une schizophrénie d'ordre religieux. Un dieu descend dans une personne et il établit sa demeure en elle. Ensuite, Dieu l'abandonne, la laisse vide et consumée, sans aucune possibilité pour elle de continuer à vivre dans le monde. On a le portrait exact d'Alexandre du sacrifice.
On va voir, par exemple, dans La Honte, la radio se taire au moment où elle annonçait de terribles choses. C'est la télé qui s'éteint dans le sacrifice. On voit dans une passion, on voit les grondements aériens. Tout le monde se souvient aussi du bonze qui s'immole dans Persona, de l'empilement des chaises à la fin, quand les deux femmes quittent leur villa, elles empilent les chaises exactement comme Alexandre va empiler les chaises avant de mettre le feu. On voit dans Cri et chuchotement l'attitude de la Pietà qui est reprise plusieurs fois dans le sacrifice. Et Jacques Aumont, puisqu'on en parlait déjà, avait dit dans un de ses livres qu'il voyait dans le sacrifice un remake des communiants. Bon, moi, je le vois plutôt comme un remake de La Honte, mais peu importe. Les choses sont dites, Bergman est partout. Et de la même façon que Bergman et Tarkovski n'ont pas voulu se parler, Tarkovski, quand on lui disait « mais c'est du Bergman, tout ça, enfin, c'est pas possible », et il lui disait « surtout pas ». Ah, ça n'a rien à voir avec Bergman. Et il ne peut y avoir aucune comparaison entre Bergman et moi. Il disait ça comme ça. Quand même, quand on voit le film, on en reste quoi? Mais je crois qu'il voulait dire autre chose. Il dit, si Bergman, c'est un peu comme Marx quand il disait, si ça c'est le marxisme, je ne suis pas marxiste. Hein. Tarkovski disait, si ce que vous dites c'est Bergman, les noirs et blancs, les grandes forêts, l'expressionnisme des images, si vous réduisez Bergman à ça, alors c'est que vous n'avez rien compris à Bergman et que moi je ne suis pas bergmanien dans le sens où vous le croyez, hein. Mais lui comme moi, nous défendons une toute autre conception. Nous ne sommes pas bergmaniens. Nous ne sommes pas bergmaniens au sens où vous voulez nous réduire. Hein, Bergman aurait peut-être dit « nous ne sommes pas tarkovskiens » au sens où vous voulez nous réduire. Mais nous avons la même, je crois qu'il y a la même conception spirituelle de l'art et du cinéma et nous voulons la défendre. Et de ce point de vue, plus que le fantôme, la présence physique de Bergman, elle est palpable à tout instant dans le sacrifice. Je veux dire, on ne peut pas la nier, quoi, hein, tout est là. Ça commence par l'homme arc-bouté à l'arbre, qui est l'homme de la source, hein, voilà, je veux dire, alors, sauf que dans la source, il le déracine et que dans le sacrifice, il la plante. Mais je veux dire, on peut pas nier que Tarkovski a voulu faire son film de Bergman à lui, tout en expliquant autre chose, bien sûr. Mais jamais il n'aurait renié ça si on lui avait dit s'il avait devant lui des interlocuteurs qui comprenaient l'importance du cinéma de Bergman. Mais ce sont des morceaux de conversation peut-être entre les films. Je crois, oui. Voilà. Mmh. Prenez un titre qui est celui d'un ensemble de Godard. Morceaux de conversation. Ben c'est délibéré, hein, quand je connais votre rapport aussi à Godard. Donc, alors attention parce que dans le deuxième point de vue, et là je vous avouerai. Ça m'avait pas sauté aux yeux, donc c'était encore plus intéressant pour le coup. Alors le deuxième point de vue s'intitule L'amour du désert, et là encore, si j'ai bien lu, ça va être une question extrêmement simpliste pour le coup. C'est pourquoi convoquer, pourquoi convoquer la figure pasolinienne, voire même le film Théorème. C'est un moment vraiment intéressant. Alors, c'est quelque chose que n'avait pas vu mon Jacob, le conférencier dans mon roman. Il n'avait pas vu. Simplement, quand j'ai fait le livre, il n'y avait que 4 conférences, ça faisait un peu peu, alors je cherchais une idée, tout ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert, au prétexte des communiants, c'est-à-dire le film des communiants, dont Jacob dit que c'est un remake, hein, Tarkovski écrit des films de Bergman en général, il donne. Alors, il faut dire une chose d'abord. Je m'excuse, c'est peut-être un peu confus, mais il faut dire une chose. Bergman est le seul de tous les auteurs de cinéma dont Tarkovski n'ait pas dit du mal dans son journal. Et non seulement il n'en a pas dit du mal, mais il a consacré des dizaines de pages, alors que les autres sont expédiés en 2 lignes. Bon. Parmi les choses qu'il a écrites sur les communiants, voilà ce qu'il écrit. Un univers, il dit, ça c'est les films de Bergman en général, hein, pas à propos des communiants seulement. Un univers gelé. Et dans cet univers convenu, l'on voit se dérouler l'action selon un schéma fixé à l'avance, comme un théorème que l'on voudrait démontrer.
un monde absolument nouveau. Et là, à mon avis, il veut démontrer aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Alors ça, je veux dire, j'ai pas la date sous les yeux, c'est autant des communes, peu importe. Mais il ne parle, il dit le mot théorème. Comment un Tarkovski qui a connu Pasolini, qui a vécu en Italie, qui a avec Guerra autant de nostalgia, qui a vu tous les films, qui parle d'ailleurs à deux reprises de façon très courte de Pasolini, et qui a le même projet que lui sur la vie de Jésus à la fin de sa vie, hein, les deux ont le même projet. Enfin, pardon, Tarkovski a le projet pendant que l'autre a fait l'évangile selon saint Matthieu. Excusez-moi. Voilà. Et il dit, d'ailleurs, quand il parle de ce projet de la vie de Jésus, il dit, ah, bien sûr, pas comme Pasolini. On est toujours dans cette espèce de il faut pas me confondre avec les autres. Ça, c'est la folie de Tarkovski personnelle. Mais, en réalité, il n'est pas possible de dire le mot théorème à cette époque sans savoir que c'est un titre de Pasolini. Le film, d'ailleurs, est une démonstration, puisque Pasolini dit « Si une famille bourgeoise venait à être visitée par un jeune dieu, qu'il fût Dionysios ou Jéhovah, quelles en seraient les conséquences ?» Et le film veut démontrer qu'elle serait, d'ailleurs de façon, je dirais pas lourde, mais assez didactique, hein, Pasolini. Il démontre que qu'est-ce qui peut être les conséquences quand une famille bourgeoise viendrait être visitée par un seul. Je suis en train d'étudier le sacrifice et je vois cette phrase de Pasolini. Si une famille bourgeoise venait à être visitée par un jeune dieu, quelles en seraient les conséquences? Alors je me dis, attends, il dit le mot théorème. Il sait qu'il y a Pasolini, que Pasolini a fait un film, qu'il a vu le théorème, où une famille bourgeoise est visitée par un étranger, un visiteur, Si on prend l'histoire du sacrifice, une famille bourgeoise est visitée par un vieux messager, et je dirais même qu'il y a la citation. Parce que si vous vous souvenez, la séquence du début, les 9 premières minutes qui sont l'ouverture, je vais y revenir d'ailleurs à propos de Pasolini, les 9 premières minutes où ils sont sur la plage et que le vieux Otto arrive en vélo, à bicyclette, pardon, et au moment de s'en aller, le petit gosse lui attache la bicyclette, il tombe, et alors il se met à sauter en disant « c'est jour de fête ». Alors moi, évidemment, j'ai tout de suite vu que c'était Tati, hein, sur son vélo et qui criait « jour de fête ». Mais quand j'ai vu le Pasolini, parce que je l'ai vu qu'après, je l'ai vu qu'il bondissait pareil. Le petit, comment il s'appelait, l'acteur, l'acteur bouclé de Pasolini. Tout le monde voit qui c'est. Hein. Un de ses plus, oui. Oui, bon. Tout le monde voit qui c'est, j'aurais dû le noter. Et il saute comme ça à deux reprises, alors qu'il apporte le télégramme. On a un télégramme qui vient là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que quand il rentre dans la famille, dans la riche famille, le visiteur, une fois qu'il a fait son œuvre, il laisse derrière lui que ruine. Il laisse derrière lui tout un univers consumé, et c'est exactement ce qui se passe dans le sacrifice. Le sacrifice, le messager arrive, il ne paye pas de sa personne comme dans le visiteur, mais il fait payer de sa personne Alexandre, qui va avoir l'acte sexuel avec la Marie, qui est l'équivalent exact d'Emilia, la bonne de Pasolini, du théorème de Pasolini, pieuse, se mettant à genoux dans la cuisine comme Julie dans le sacrifice. Le fils, chez Pasolini, est dans l'imposture verbale, etc. Bon, on a ce même univers d'imposture verbale dans le sacrifice. On a un livre, qui est un livre d'icônes qu'il apporte à l'anniversaire, pendant que l'autre regarde un livre qui est les peintures de Bacon. Mmh. Bacon est un peintre qui inspire la terreur. Léonard de Vinci est aussi quelqu'un qui inspire la terreur, et à son époque, et à Otto, qui dit « moi, il me terrifie, je ne peux pas voir ça ». Donc, on a la fille qui tombe dans la catatonie, et l'internement psychiatrique. Alors, c'est elle qui va se faire interner psychiatrique, mais Alexandre est interné psychiatrique. On a la bonne Emilia
qui s'élève tout d'un coup comme le Christ aviateur au-dessus de la ferme, et on a la lévitation de Marie pendant l'acte sexuel, et on a à la fin un homme dans le Pasolini, hein, qui se met tout nu dans la gare et qui sacrifie tout, son usine, sa maison, etc. De la même façon que alors chez Tarkovski, on ne se met pas tout nu. Enfin, les hommes ne se mettent pas tout nus. On pourrait parler longuement de pourquoi les hommes ne se mettent pas tout nus chez Tarkovski. Alors que chez Pasolini, oui, bon, laissons tomber. Hein. Et donc, il se met pas tout nu, mais il devient fou. Il se met une robe japonaise, hein, et il met le feu à la maison. Bon. Alors, d'un côté, c'est les pentes de l'Etna, de l'autre côté, c'est la maison qui brûle, mais enfin, je dirais presque que c'est terme à terme. Le même film. Alors, s'il y avait un remake que je dirais être le remake du Sacrifice, c'est le théorème dont il s'agit. Je ne sais pas si j'ai été. Et ça m'est revenu. Alors, c'est Ninetto Davoli, l'acteur en question. Voilà, merci. Ninetto Davoli. Je peux continuer, hein, ce n'est pas fini, si vous voulez, sur Pasolini. Ah, mais je vous en prie. Il y a la construction du film. Il y a, si vous vous souvenez, dans Pasolini, il y a 9 minutes qui ouvrent le film en noir et blanc, et on voit l'usine, et tous les personnages sont présentés autour de la fille qui va à la faculté, qui revient. Tous les personnages sont présentés les uns après les autres au cours de ces 9 minutes d'introduction, et après les 9 minutes, ça commence le film commence par le télégramme sur l'île suédoise. On a 9 minutes, pareil, un père et un enfant qui plantent un arbre mort, et on a vu arriver le docteur avec la femme, l'enfant, on a vu se présenter tous les personnages, bon, c'est une présentation, c'est normal, on présente tout le monde, mais, et arrive le facteur qui porte le télégramme, et ça clôt l'affaire. Bon, on a 2 génériques, maintenant ça c'était les scènes d'ouverture, mais on a 2 génériques qui viennent contredire et préventivement, je dirais même, et qui viennent prévenir de ce qui va se passer. Le générique de Pasolini, du théorème, est sur les pentes de l'Etna. Le générique, pas l'ouverture. L'ouverture, elle est dans l'usine qui fait vendre à ses ouvriers. Mais le générique est sur les pentes de l'Etna. Ces pentes de l'Etna, on va les voir 14 fois pendant le film, comme les stations de trucs. Et à la fin, on va comprendre qu'il est parti tout nu sur les pentes de l'Etna. Le générique du sacrifice, c'est l'adoration des mages de Léonard de Vinci, qui dit, on va vous raconter une jolie petite histoire qui se passe en Suède, mais moi je vous parle d'autre chose. Moi je vous parle de la bonne nouvelle qui est arrivée, du télégramme qui est arrivé là, avec le Messie, mais dans le noir. Et derrière, vous avez Jean-Baptiste qui montre le doigt, le fameux doigt de moniteur, dont on va reparler Godard, tout ça, enfin tout le monde, le doigt de moniteur de Jean-Baptiste qui dit, regardez ce qui se passe là-haut. Et là-haut, dans le tableau d'adoration des mages, on voit une scène de guerre terrible qui est dessinée très très clair, et on voit les gens, les chevaux se battre, la grande bataille. Et on voit au fond des ruines, dont une qui est un escalier sous un tunnel, et qui est évidemment qu'on va retrouver dans la fameuse scène du Gatan Tunnel, avec la scène d'Apocalypse, du grand désordre de la guerre. Et les 2 génériques sont là pour dire, là, on vous parle d'une paisible famille, on va vous la montrer pendant 9 minutes, comme ça, jusqu'à l'arrivée du télégramme. Là, on vous parle d'un écrivain avec son enfant qui plante un arbre, tout ça, ça se passe très bien. Mais dès le générique, on sait qu'il y a les pentes de l'Etna, et on sait qu'il y a l'adoration des mages, et le terrifiant Léonard, la pazzia bestialissima, disaient déjà les contemporains de Léonard de Vinci, la folie bestiale. Parce que Léonard de Vinci a vraiment terrifié ses contemporains par sa peinture. Ce n'est pas des peintures paisibles, ce n'est pas Raphaël, la grâce, ce n'est pas le Michel-Ange le puissant. Léonard, c'est la terreur. Et Otto le sait. Alors, ces deux génériques-là, ces deux constructions analogues de tout le début du film, je sais pas, moi, ça me paraît encore quelque chose qui est tout à fait surprenant. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite non plus. Hein. Et chaque fois que j'en parle, tout le monde reste assis en disant « Mais de quoi tu parles ?» Mais moi le premier, mais je me suis dit « Maintenant, je suis convaincu que,
que c'est pas possible, quoi, que ce n'ait pas été fait, sinon exprès, sinon volontairement, dans une rencontre extraordinaire de transmission de pensée, quoi, finalement, de transmission de culture cinématographique, quoi, finalement. Alors, ce sont des gens qui connaissent le cinéma quand même. Ouais, oui. Alors, une question très provocatrice pour le coup, parce que quand Tarkovsky va monter ce film, assez rapidement, vous le dites dans le livre, parce qu'il y a le Festival de Cannes, et puis il mourra quelques mois après, en décembre 86, si je ne me trompe pas. Comment dire ? Il ne voit pas le film, c'est son fils qui va à Cannes chercher le prix. Hein. Et en plus de cela, c'est ça, c'est qu'il y a Bergman, il y a Pasolini, mais... comment je pourrais exprimer ça ? Je n'ai pas envie de vous dire qu'est-ce qui reste de Tarkovsky, mais comment Tarkovsky finit par transformer ses je ne vais pas dire influence, mais ses références-là et en faire quelque chose qui lui est propre. Est-ce que... Finalement. Oui. C'est pas pour faciliter la transition que je vais le dire seulement, mais je pense que Les figures de Bach et de Léonard. Ah ben voilà. Les figures de Bach et de Léonard sont les clés de cette appropriation-là. Hein, parce que ça, pour le coup, Bach et Léonard, on le retrouve dans tous les films. Hein. Là, c'est Tarkovsky, Bach et Léonard. Hein. Ils sont. Oui. Même si on peut voir du Bach, beaucoup de Bach chez Bergman, et peut-être probablement aussi chez Pasolini, il y en a aussi, puisque la passion selon Saint Matthieu, c'est ça. Hein. Aussi, c'est une référence à Bach. Mais je crois que cette appropriation se fait par le son et les images, c'est-à-dire cette longue méditation intime qu'a Tarkovsky avec Bach. D'ailleurs, il dit, la première chose qu'il dit, le journal, quand vous ouvrez le journal, la première chose qu'il dit, c'est « J'ai demandé à quelqu'un de m'amener la Passion selon Saint-Matthieu de Paris, parce qu'il voulait le disque ». Et la dernière chose qu'il va faire, c'est un projet sur la Passion selon Saint-Matthieu. Donc, il est hanté absolument par Bach d'un bout à l'autre. On choisirait probablement pas les versions qu'il a choisies aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a le goût de la musique, Léonard, la musique revisitée, et magnifiquement revisitée par tous les grands musicologues et musiciens hollandais. Mais ça, il n'était pas... Mais il avait pris une très jolie version où chantait Julia et Marie, et qui était très très belle, et qui met en générique. Et je crois que c'est ça aussi, il dit un générique. Moi, je trouve que le mot générique est un mot sur lequel on ne réfléchit pas assez. Un générique, personne ne pense que de son origine à ce mot, et le voit le générique. Un générique, c'est un engendrement. Le générique, c'est ce qui engendre le film. Alors, il y a beaucoup de cinéastes qui n'ont même pas conscience, qui sont en train au moment du générique, de faire quelque chose qui engendre. Mais Tarkovsky, non. Tarkovsky, tous ces génériques, et en particulier celui du sacrifice, avec la Passion selon Saint Matthieu, c'est pour dire, voilà ce que je vais vous montrer, en fait, hein, dès le début. Donc, cette auscultation, cet examen ascendant du tableau de l'adoration des mages, est un programme. Et en même temps, c'est aussi voilà les images et voilà les sons. Voilà. Les images, c'est Léonard qui est derrière, et les sons, c'est Bach. Et ce sont les... à partir de là, c'est pas seulement ce qui est indiqué par le générique, mais je crois qu'on peut en faire les clés. Comme en musique, vous savez, quand on met les clés... Les clés, l'armature. On appelle ça l'armature en musique, là. La clé de sol avec ses dièses et ses bémols. On appelle ça l'armature. Eh bien, les clés de ce qui mettent en partition le sacrifice sont Bach et Léonard. Le dièse et le bémol. Eh bien, écoutez, on va rester là-dessus. Hein. Vous avez pratiquement tout dit, mais je vais quand même lire l'extrait que j'avais envie de lire. C'est la troisième vue. C'est les maîtres de la clé. Et c'est page 64, et vous écrivez générique.
En effet, à l'inverse de Fosser qui compte sur l'aura de Bach pour conférer dignité à leurs images, Tarkovsky convoque Bach et Léonard en exigeant de nos échos et visions qu'ils engendrent le film, lui donner le jour, fonder ses étalons perceptifs, sa base émotionnelle et en dépit des mots, sa véritable langue en constante tension temporelle entre regard et l'oreille. Nécessité générique de l'aria de Julia, d'autant mieux démontrée qu'à cette période, Tarkovsky affirme sa prise de distance avec la musique de film délibérément expérimentée dans ses trois dernières réalisations. Ce qu'il écrivait dans Le Temps scellé, la musique n'aurait plus sa place dans un film sonore qui serait d'une parfaite conséquence théorique. Elle serait alors remplacée par des bruits de plus en plus intéressants auxquels le cinéma donnerait un sens. Et c'est ce que j'ai essayé de réaliser dans Stalker, Nostalgia et Le Sacrifice. Et je referme les parenthèses. Je continue un peu plus loin ce que vous écrivez, page 65. Je vous en prie. Alors, je veux vraiment continuer, enfin vraiment prolonger un peu plus. Vous écrivez refus de l'instrumentalisation de la grande musique, d'une prostitution du sentiment, de la grandiloquence ou de l'empathie pour une recherche vers le brutisme et la musique concrète. La musique de Bach est destinée au seul spectateur au début et à la fin du film qui intègre les sons de la vie courante et la flûte japonaise sur la chaîne IFI aux appels des bergers dans la campagne. Owe Svensson témoigne. Nous sommes tombés sur un enregistrement assez ancien qui avait été fait via un câble téléphonique allant de Ratvik, dans la campagne, à Sveridge Radio à Stockholm. Il était gravé sur des cylindres de cire. Il l'écouta. C'était de très mauvaise qualité. Il y avait des grésillements et des parasites, mais il pensa tout de même que c'était merveilleux. Cette version de la passion, la flûte japonaise animée par son maître, les chants écrits paysans de Dalia Carli, centre historique de la Suède, trois musiques, chacune pour ses raisons, choisies avec soin. Ouais. On peut continuer, si vous permettez, toujours sur ce thème de la musique et du son. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin, Tarkovsky a toujours fait très attention à sa bande-son. Mais la bande-son du Sacrifice, c'est un chef-d'œuvre. Il faut l'écouter. Elle n'est faite que de bruit. Le chant du berger, la flûte japonaise, donc je te parlais, tout ça, les grondements des avions, on aurait pu faire une sixième vue, sauf qu'elle aurait été une ouïe, au lieu d'être une vue, hein, sur le son dans ce film. Et pourquoi c'est si important? Parce que beaucoup de gens, dans Le Sacrifice, quand j'en parle, me disent « Oh oui, mais je m'ennuie à ce film, il est verbeux. » Ah oui, mais il est verbeux parce qu'il fait le procès du verbe. Pas parce qu'il est bavard. Il est verbeux parce qu'il dit « Voilà ce que c'est de parler sans arrêt, words, words, words. » Alexandre, il nous saoule, en effet. Mais il est là pour saouler, il n'est pas là pour nous instruire ou nous donner un grand message. Le message, il commence à le donner éventuellement, si, dans sa folie, quand il veut se taire. Voilà, et on a un enfant muet dès le début, le petit garçon. Mmh. Petit garçon, c'est l'enfant. Hein, en étymologie, enfance, celui qui ne parle pas. C'est ça que ça veut dire l'enfant. Ça veut dire celui qui ne parle pas. Et comment s'appelle, dans la version française, il s'appelle petit garçon. Mais c'est à peu près ça qui est en chose. Et petit garçon, little boy, c'est la bombe. La bombe d'Hiroshima s'appelait petit garçon. La bombe d'Hiroshima, elle a été lâchée le 6 août. Et le 6 août, c'est la transfiguration, le jour de la transfiguration. Et c'est Matthieu, le Matthieu de l'Évangile et le Matthieu de la Passion, qui décrit le jour de la transfiguration, je vous le lis, lorsqu'il parle des apôtres, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. La frayeur, et les apôtres, ils tombent comme ça, avec la tête absolument effrayée, ce sont les rois mages de l'adoration des mages dans le tableau de Léonard. Donc, en réalité, quand il y a une bande-son aussi soignée, aussi fouillée, ça veut dire n'écoutez pas les verbiages, écoutez le bruit du monde, écoutez la musique du monde, écoutez le son, parce que c'est ça mon film, il s'agit de la grande musique de Bach et il s'agit de la grande symphonie du monde.
qui est réduite à une île avec des bêlements, mais où on chante. Voilà. Et ce sont ces sons-là qui sont beaucoup plus importants dans la frayeur et dans la grande frayeur et dans tomber le visage contre terre que les verbiages d'Alexandre, qu'en effet, il faut supporter. Mais ils sont là pour être insupportables. Moi, je crois. Donc, c'est en fait une dénonciation du verbe et du verbiage et une apologie du silence. Voilà. Et du silence et donc du son. Parce qu'il n'y a pas de silence. Dans le monde ne se tait jamais. Voilà. Et je crois que quand on regarde le film de ce point de vue-là, eh bien, il y aurait vraiment une étude à faire rien que sur le son. Sans compter le fait que dès Solaris, il s'est mis à s'intéresser à la musique concrète et au bruit. Hein. On voit ça dans Nostalgia aussi. Voilà. Entre la fois où vous le découvrez, ce film, et au moment où vous écrivez le livre, quel est l'aspect que vous aviez remarqué dès le début et qui n'a pas changé pendant les nombreux visionnages du film? Je ne connaissais pas comme maintenant l'ensemble de l'œuvre. Je l'avais vu, bien sûr, mais j'étais sensible au contraire au fait que Tarkovsky évolue, je veux dire, depuis l'enfance d'Ivan, avec son film un petit peu tout à fait intéressant, et on en reparlera avec l'auteur qui va faire le livre. Et l'autrice, je pense, hein, j'ai rien dans les mains, donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est une femme. Et Andrei Roublev, donc ça, je peux vous dire que c'est le prochain qui paraîtra et que c'est Vincent Amiel qui le fait. Je suis en train de le terminer du point de vue de la préparation, et il est très très beau. Enfin, je veux dire, Vincent Amiel a fait un très beau livre là-dessus, mais c'est une grande fresque avec des grands espaces, des grands paysages. On se demande d'ailleurs comment un jeune homme de 25 ans peut faire 27 ans, peut faire un film pareil, quoi. Je veux dire, c'est sidérant. Au rythme d'un film tous les 5 ans, je trouve que on est sensible plutôt à ce qui n'est pas pareil chez Tarkovsky. Et donc, je ne sais pas si ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé entre le Nostalgia et le Sacrifice, ça, oui, ce qui n'a pas changé, c'est le pays au loin. C'est la Nostalgia, mais au sens saudade, hein, au sens fort du terme. C'est pas la nostalgie plus qu'elle était. Et le bon vieux temps. La nostalgie, c'est le mal du pays, et ça, je crois qu'il en souffre énormément. Nostalgia, c'est le thème et c'est le titre. Et d'une certaine façon, le sacrifice aussi, je suis loin des paysages, mais je les retrouve. Je suis loin des vues de Russie, mais je les retrouve ici. Et je suis loin de toute cette difficulté d'être, mais au fond, il y a la guerre froide qui est au-dessus de moi, et là-dessus, la Russie soviétique, elle est impliquée. Donc, je crois qu'il n'a pas perdu la racine avec l'Union soviétique, avec ses difficultés, ses amours et ses haines, dans Nostalgia et dans le Sacrifice. Alors, de ce point de vue, on parlait du miroir l'autre jour, de ce point de vue, oui, on pourrait dire qu'il a une grande attache sur son rapport à son pays, à sa terre, à l'Union soviétique, mais aussi en même temps, quand même, cette polémique avec ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient, et qu'il ne se résigne pas à détester. Hein, je veux dire, ce n'est pas possible, c'est son pays. Et donc, il est toujours dans cette difficulté, cette tension interne entre Russie et Union soviétique, et je crois que ça se voit en filigrane de tous ses films. Ça peut être. Et ça peut être dès l'enfance d'Ivan. S'il y a quelque chose qui est là, c'est cette tension entre Russie et Union soviétique. Et alors, évidemment, après, quand on dit Tarkovsky, c'est un grand cinéaste politique, les gens vous disent, ça ne veut rien dire, la politique, c'est pas ça, la politique, c'est Ken Loach, la politique, c'est Costa-Gavras. Ben non, pas forcément. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je n'ai rien contre Ken Loach et Costa-Gavras, hein, mais je dis, c'est pas ça, il ne fait pas des messages politiques directs, même dans le miroir. Même dans le miroir.
Non, mais attendez, je suis pas d'accord avec vous. On peut en vouloir au cinéma de Ken Loach et Costa Gavras. Et c'est pas grave, hein. C'est très bien. Moi, j'en veux énormément à leur cinéma. Dans tous les cas, je préfère les engagements politiques de ce type. Voilà. Ce qui n'assigne pas ce qu'il faut penser. Voilà. Bah, écoute, restons sur les engagements politiques de Tarkovsky par le prisme du dernier point de vue. Alors j'en ai sauté un délibérément, mais qui s'appelle l'éloge de l'accessoire. On ne pourra pas parler de tout dans cette émission. Encore que on n'a pas vraiment parlé de tous les points de vue de manière. Voilà. Mais ça, il faut lire le livre et c'est fait aussi pour ça, cette émission. Mais le dernier point de vue s'intitule L'île des femmes. Alors donc restons sur cet engagement politique. Parce que vous parliez à juste titre du travail sur le son, eh bien moi c'est très drôle parce que c'est de transition en transition. Page 115, vous revenez sur quelque chose de très important. Vous dites, donc dans le dernier point de vue, page 115, vous écrivez « L'essentiel demeure, dans tous les cas, le rapport des actrices et de leurs personnages à la parole fut voulu différent de celui des hommes. Alors qu'ils se post-synchronisèrent eux-mêmes pour Adélaïde, trois voix dans la sienne ont été utilisées. » La qualité de la scène d'hystérie avec tous ses sanglots, ses pleurs étouffés, ses crises inarticulées fut d'un niveau tel qu'il s'est avéré impossible de la faire répéter par une autre actrice, ce qui obligea à trouver une voix qui se mariait aux vociférations conservées de l'actrice britannique. Pour leur scène parlée, Julie fut forcément doublée ainsi que Marie dans un suédois approximatif pour dénoter son émigration récente. Déparlante, mal parlante ou silencieuse, leur part du corps est logiquement accrue face aux raideurs prolixes d'Otto et de Victor et à la gaucherie d'Alexandre. Corps des deux servantes glorifiées par la dignité, le soin, l'attention et le silence, et pour Marie par la lévitation d'amour. Corps des deux maîtresses agitées par les frustrations, les hystéries, les égoïsmes sensuels insatisfaits, les coucheries à la sauvette, dont la promiscuité de la demeure et la claustration de l'île. Alors déjà, il y a deux questions. Première, c'est pourquoi vous avez senti la nécessité de consacrer d'écrire sur comment Tarkovsky, pour le coup, filme les femmes, dans ce film en l'occurrence, et qui peut être assez important. Et puis deuxièmement, c'est ce travail. Est-ce qu'on est toujours dans l'engagement politique à travers ce travail qu'il fait sur la post-synchronisation? Alors, vaste programme, comme dirait l'autre. Vous êtes chez Microciné, monsieur Darmon, hein, c'est comme ça. Hein. J'allais dire, vous êtes chez Microciné, monsieur Darmon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, d'abord, il y a ce fait, je parlais tout à l'heure du procès fait au verbiage. Oui. Alors, les hommes sont dépositaires d'une parole instituée, construite, instruite, Nietzsche, enfin, tout ce qu'on veut. Même aussi, quand on parle de peinture, on a des références. Et ce sont des références de décorum, en fait, hein, c'est de décorum. Je veux dire, juste un détail. Il y a dans la maison d'Alexandre un piano. Il ne sert jamais. En revanche, dans la pauvre maison de Marie, il y a un harmonium. Et Alexandre en joue. Voilà. Autrement dit, chez la femme, il y a de la musique. Dans le salon, où il y a ce beau piano, un piano droit, hein, c'est pas un piano, eh bien, personne ne fait de la musique et on parle à perte de vue. Voilà. Chez Marie, on fait l'amour et on fait de la musique. Voilà. Elle, Marie, est quelqu'un qui donc est handicapée de la parole, puisqu'elle est islandaise. Bon, et elle est voulue comme ça, une espèce de travailleur immigré qui arrive ici puisqu'elle parle un mauvais suédois qu'elle comprend pas. Elle est toujours la femme. Adélaïde lui clôt le bec en permanence. Enfin, je veux dire, elle reste muette comme ça. Quant à Julie, c'est quelqu'un qui elle observe en silence tout ce qui se passe. Et là, elle observe tout le politique de la chose parce que c'est elle qui tourne autour du couple à la fin, qui est en train de se déliter avec cette lâcheté de Victor, de l'homme qui a usé les deux femmes et qui maintenant s'en va en Australie. Et elle le regarde vraiment avec un mépris évident, quoi, hein, je veux dire. Elle tourne autour comme ça, elle a des coups d'œil. Et c'est la seule
qui, quand elle prend la parole contre Adélaïde, c'est-à-dire contre tout l'ordre bourgeois, et lui dit « Vous n'avez pas le droit, laissez cet enfant dormir, tant pis, il mourra en dormant, mais je refuse que vous alliez le réveiller. » Et l'autre, elle est d'abord sidérée qu'une femme de ménage puisse lui tenir tête pour finalement qu'elle la prenne dans ses bras. Pendant un moment, la Julie a réveillé la bonté de tout être humain, hein, qui existe en tout être humain, comme dirait Grossman, mais pas longtemps, parce qu'après, l'autre, elle redevient complètement possédée et tout ça. Et Alexandre, lui, va se taire. Donc, la distribution du langage entre les hommes et les femmes. On a des hommes qui parlent. On a trois bourgeois suédois cultivés, interprétés par des acteurs suédois, qui sont à l'aise dans leur langue. Et, qu'on le veuille ou non, les femmes, elles ne sont pas suédoises, et il faut qu'elles se débrouillent avec une langue d'adoption. Alors, bien sûr, je sais bien qu'il y a les hasards du casting, mais enfin, ça donne ça. Ça donne ça. Une Britannique, qui Adélaïde, qu'il faut doubler, et qui d'ailleurs, une Britannique, mais qui est Britannique comme personnage aussi, puisqu'ils se sont rencontrés à Londres. Elle n'est pas Britannique seulement comme actrice, elle est Britannique comme personnage. L'Islandaise, elle n'est pas seulement Islandaise d'origine, elle est étrangère comme personnage. Julie, elle n'est pas française, elle est paysanne. C'est une paysanne qui est une paysanne supposée de Faro, de Gotland, elle aussi, enfin, supposée suédoise. Mais elle, donc elle est doublée pour pouvoir être suédoise, mais c'est pas quelqu'un qui est reine de la parole. Donc on a cette séparation qui est politique. Aux hommes, la parole pour rien. Aux femmes, le silence pour tenter d'imposer un autre ordre. L'ordre de la bonté, l'ordre de la relation directe et franche, l'ordre de la résistance. Emilia de Pasolini, elle est là, c'est la même, elle revient. Et c'est peut-être là qu'est la première leçon politique. Alors, la décèle-t-on ou pas, ça veut dire qu'il existe chez les femmes une forme particulière, chez les femmes du peuple, c'est là, c'est très pasolinien, chez les femmes du peuple, il existe une forme de résistance à nul autre pareil. Et cette forme de résistance, elle va se heurter, y compris à l'ordre, au rôle féminin bourgeois que jouent Adélaïde et sa fille, qui sont sans moue ni gonasse, quoi. Hein. Et les deux grands personnages forts du point de vue politique, c'est les deux servantes. Alors, est-ce que c'est une politique de droite ou est-ce que c'est une politique de gauche? Est-ce que c'est une politique de la sainteté ou de ouvriériste, populiste? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le clivage est là. Alors, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, c'est clair, on a toujours accusé, et on n'a pas eu tort, de Tarkovsky de misogynie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en effet, chez lui, c'est une misogynie un peu spéciale, enfin, elle n'est pas si banale que ça, mais elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Ça consiste à dire les femmes, hein, sont sur un piédestal, mais finalement, c'est quelque chose qui conforte, au fond, l'ordre, la cuisine, le ménage, la cuisine, la fidélité, le mariage et les femmes. Voilà. Alors, c'est vrai que Tarkovsky, là-dessus, il a des phrases extravagantes, hein, je veux dire, sur cette position, quand il est dans les entretiens. Mais, et que dans les films, en général, eh bien, les femmes sont souvent de bonnes épouses, de bonnes mères, des quasi-saintes. Sauf deux. Nostalgia, Julie Eugénie, dans Nostalgia, qui, on le verra peut-être, on en reparlera mieux un jour, hein, de Nostalgia, j'espère. Hein, ben, j'espère, oui. Oui, mais elle est la seule dans toute l'œuvre de Tarkovsky, alors que c'est une femme qui est possédée par l'envie de faire l'amour, qui veut séduire c'est un démon, quoi. Elle a pas d'enfant, elle a pas de mari, elle ouvre ses seins, on n'a jamais vu ça chez Tarkovsky, une femme qui se dépoitraille comme ça, échevelée, et en même temps, elle est la seule dans toute l'œuvre de Tarkovsky, le seul personnage, masculin ou féminin, à parler à Dieu. Ils sont dans l'abbaye et Dieu, en personne, parle avec Eugénie. On n'a jamais vu ça. Eh bien,
Quand Tarkovsky dit que Alexandre, alors moi je discute un peu, mais enfin lui c'est ce qu'il veut faire. Il dit pour moi, Alexandre est l'élu de Dieu. Alexandre, celui du sacrifice qui met le feu à sa maison. Et pour moi, c'est l'élu de Dieu. Eh bien, il faut voir que Alexandre, au moment où il devient l'élu de Dieu, il ne parle plus. Il met une robe. Et il est l'élu de Dieu, c'est-à-dire que Alexandre s'empare, Tarkovsky s'empare d'un homme et le dévirilise en quelque sorte, hein, pour en faire l'élu de Dieu. La seule personne qui a parlé à Dieu avant, c'est Eugénia. Eugénia, où on n'est pas loin de voir le mot générique, hein, dans Eugénia, hein, l'engendrement, là aussi, il existe. Enfin, je ne veux pas trop tirer la couverture, mais quand même. Et cette Eugénia, les deux. Eugénia, qui est Domitiana Giordano, qu'on va retrouver chez Godard, et Julie Mérès, il les prend en trouvant que ces actrices sont pas très bonnes, qu'elles sont médiocres. Enfin, elle est bien gentille, elle est bien mignonne, mais il n'a pas conscience que, moi je crois qu'il n'a pas conscience que Eugénia porte Nostalgia, comme Julie Valérie Mérès porte le film. Je dirais une chose. On dit au théâtre que la star, elle intervient au troisième acte. Hein? Voilà, elle arrive. Voilà. Le premier gros plan, au bout de 30 minutes, il n'y a pas un seul gros plan. Le premier gros plan, il est sur Valérie Mérès. Et il va y avoir trois gros plans dans le film, tous les trois de Valérie Mérès qui ponctuent le film. Quand elle voit quand elle s'oppose, quand elle écoute, pardon, quand elle écoute la protestation muette de l'autre bonne qu'elle a subie par rapport à la patronne. Quand elle regarde les avions passer à travers le verre en cristal et que ça teinte de partout, on voit un truc, et on voit un dernier gros plan quand le couple se disloque. Elle est là, traitée comme une star, et elle dure 30 minutes. C'est-à-dire qu'elle est, à part évidemment Alexandre qui est là tout le temps, elle a plus de présence à l'écran que Marie. Qui pourtant, on s'en souvient parce qu'elle fait l'amour, elle a un rôle dramatique qui est plus souligné. Eh bien, la présence à l'écran de Julie est plus longue. Alors, au bout de 30 minutes, trois gros plans, une présence à l'écran qui est immense, et pour obtenir la seule personne qui se heurte à l'ordre bourgeois. Moi, je crois que, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en veuille, lui, il est passé par Alexandre en le dévirilisant, mais le miracle d'Eugénia et de Julia aura été d'avoir contraint Tarkovsky à révéler sa part féminine. Et donc, quand il est misogyne, il y a un problème. Hein? C'est un peu ce qu'il y avait entre la Russie et l'Union soviétique. Il y a un problème entre sa misogynie traditionnelle et sa part féminine qu'il nie, qu'il combat, mais qu'en même temps, il transcende. Voilà. Et ça, je crois que ça, c'est un autre aspect politique du cinéma de Tarkovsky. Quoi qu'il en dise, je vais l'oser ou pas? C'est un féministe. Alors là, moi je trouve que ce serait une belle conclusion. Alors ça, C'est une boucle. jamais j'aurais pensé entendre ça de la, enfin, qu'on associe Tarkovsky et le mot féministe. Hein. Vraiment, je peux vous le Oui, dire, mais pourquoi pas. et regardez ces deux personnages. Les autres, je suis d'accord, ils sont beaucoup plus conventionnels, beaucoup plus, pas conventionnels, mais beaucoup plus construits du côté de la tradition. Mais ces deux-là, ils sont en révolution. Eugénia et Julie. Et c'est les derniers. Et ces derniers en date, effectivement. Et c'est les derniers. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de faire tourner les tables, de croire à la théosophie. Enfin, il est malade. Et donc, il se confie à ce qu'il peut pour vivre. Mais d'un autre côté, il crée ces deux personnages qui sont inédits dans le reste de sa filmographie. Il n'y a pas d'équivalent de ces deux personnages, Julie et Eugénie. Alors, moi, je suis obligé de leur faire un sort. Voilà. C'est pour ça que revoyez, c'est ceux qui nous voient, en tout cas, revoyez le sacrifice. Et puis il y a le livre aussi, 5 vues sur le sacrifice,
édité donc chez 202 éditions. C'est Maurice Darmon, l'auteur du livre, et qui est revenu pour nous en parler en tout cas, et qui reviendra, ça je le sais, pour d'autres émissions autour de Tarkovski. Merci beaucoup, Maurice, en tout cas, d'avoir pris le temps. Vraiment, j'espère ne pas avoir été trop confus. Et... Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Même, alors là, surtout, la fin était extraordinaire, je trouve. C'était très théâtral pour le coup. Mais ça donne envie, ça donne très envie de revoir tout ça. Je rappelle quand même qu'il y a d'autres émissions autour de Tarkovski, de cette longue série. C'est un projet que vous avez initié. Donc, il y a l'émission avec Giacomo sur Solaris. La seconde émission, c'était avec vous, où on est revenu sur le livre, votre livre sur le film Le Miroir. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est la troisième émission. Il y en a d'autres qui vont arriver. Croisons les doigts. Merci beaucoup, Maurice. Dans le descriptif, le lien qui renvoie vers le site de 202 éditions. Je vous invite à y faire un petit tour. Merci beaucoup, Maurice, et puis à très vite. Merci à vous, Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three